C'est parti pour la préparation. On verse nos petites pâtes à l'intérieur d'un petit peu d'eau et on va les mettre au micro-ondes pendant 3 minutes. L'avantage avec SoShape, c'est que vous ne galérez pas à préparer à manger. C'est prêt en un rien de temps. Hop, vraiment, préparation tellement rapide, c'est trop agréable. 3 minutes seulement. Moi, cette fois-ci, ce sera les mac and cheese parce qu'elles sont juste incroyables. Et puis surtout, vous ne culpabilisez pas de manger des pâtes au fromage puisque ça rassemble le moins de calories possible. Donc, vous mélangez la poudre à tout simplement vos pâtes qui sont prêtes en un rien de temps. J'ai fait carnage. Voilà, désolée, c'est parce que je ne suis pas du tout gauchère. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Regardez-moi cette sauce super onctueuse que vous allez obtenir avec les pâtes au fromage. Il n'y a pas meilleur, les filles. Oh là là, c'est tellement un kiff. Et c'est tellement pas calorique que vous avez de quoi vous régaler. Regardez comme c'est onctueux. Oh. Bon, les filles, aujourd'hui, je vous révèle le secret de SoShape. Pourquoi ils ont été si connus? C'est grâce au mac and cheese. Tout simplement, c'est le mac and cheese le plus rapide au monde en préparation. Seulement 3 minutes au micro-ondes. Et vous avez des pâtes au fromage juste succulentes. Vraiment incroyable en termes de visu, en termes de goût. Personne ne peut rivaliser ça. Et surtout, d'habitude, des pâtes au fromage, bah, vous le savez, le fromage, c'est gras. Ça fait grossir. Là, avec SoShape, vous allez pouvoir manger des pâtes au fromage qui rassemblent uniquement 200 calories et surtout hyper protéinées. Donc, non seulement vous allez prendre en muscle pour ceux qui font du sport, et en plus de ça, vous allez pouvoir vous régaler avec très très peu de calories. Donc ça, c'est juste incroyable. Et puis surtout, bah, en général, on perd des vitamines dans chaque plat. Là, ça rassemble que les meilleures vitamines. C'est-à-dire que là, tout ce que vous allez goûter seront des vraies saveurs.